Selon Deva Viraswamy, la décision de Tianli de s'implanter à Maurice est le résultat des efforts personnels du Premier ministre auprès des autorités chinoises, Maurice ne figurant pas au départ au nombre des 25 pays africains disposés à accueillir un tel projet. Et ce, bien que Maurice ne dispose pas de ressources naturelles et offre des concessions négligeables par rapport aux autres pays africains en termes de terrain et d'exemption de taxes diverses. Pour Deva Viraswamy, il est temps que Paul Béranger en finisse avec son attitude qualifiée de China bashing et sa remise en question des concessions du gouvernement sur ce dossier. Il rappelle les différentes concessions accordées par Paul Béranger lui-même, d'abord sur le dossier Ilovo. Il ne faudrait pas oublier, dans le cas Ilovo, l'eau, 600 hors-ponts de la terre dans Eben. Il bon, camarade journaliste, note ça parce qu'il est important. Ici, nous payons 750 millions dans Tianli. Dans le cas Eben, M. Béranger, comme ministre des Finances, il est exempté. Man gros capitaliste, man gros sucrier. Une somme de 2 milliards 670 millions roupies. Autre concession, celle accordée à la centrale thermique du Sud. Dans le secteur de l'électricité et de l'énergie, l'État approuve une clause dans le contrat CT Sud Savannah, qui donne une capacity charge de 1,1 milliard par an. Il y a pourtant, soulignant 1,1 milliard par an, M. Béranger, il donne Savannah, apporte l'électricité qu'il peut produire, c'est bien payé, le production, mais il y a une capacity charge, quand il donne cadeau. C'était Sud, Savannah, 1,1 milliard, le peuple qui gagnait là dans l'île. Pour James Batty David, le MMM est un saboteur de l'économie. Ce qui se passe actuellement, dit-il, rappelle étrangement l'opposition farouche qui s'organisait contre la politique de Chine unique que prônait Sassif Sagar Amgoulam. De la même manière, James Batty David qualifie d'absurde la décision de réclamer la mise sur pied d'un select committee sur le projet Tianli à la veille de sa mise en chantier. MMM, à travers le leader d'opposition mardi, vient demander un select committee pour revoir le projet. L'inimaginable, l'absurde, et nous, nos vies, condamnent l'antipatriotisme du MMM. Alain Prosé, côté MMM, peut topier, et pire encore, l'IPVIN presque. Sinon ouvertement, mais dans son propos, viennent insulter nos amis les Chinois. James Batty David critique aussi Paul Béranger pour sa question parlementaire portant sur les compensations à payer aux promoteurs immobiliers de la région du Morne dans le cadre de la demande du gouvernement de faire inscrire la montagne au patrimoine mondial de l'humanité. Il dit aussi condamner ce qu'il appelle la légèreté avec laquelle le leader de l'opposition traite la mission importante effectuée par le Premier ministre en Europe et qui contraste avec la manière dont il a géré la diplomatie mauricienne. Une politique fiasco, nous avons mentionné dans le contexte, par opposition avec ce que le Premier ministre Dr. Navin Rangoulam peut faire à Paris et à Londres, par opposition à sa fiasco internationale du MMM. Quit Commonwealth, pas oublier sous relation avec l'Inde, quand la Gazette en Inde, qui cause l'affaire Ilovo, un langage odieux est utilisé par Paul Béranger alors. Le Parti travailliste poursuit sa campagne d'explication sur le terrain. 4 congrès sont prévus samedi et dimanche en divers points du pays. Le leader du mouvement républicain, Rama Valaïdan, a qualifié le budget 2008-2009 de positif. Pour lui, c'est le début du feel-good factor. Ce budget, affirme-t-il, comporte des mesures concrètes pour lutter contre la pauvreté. Donc, qui nous donne grande satisfaction, les meilleurs généralement, je dis bien Marie content. Qui nous donne plus grande satisfaction? La plus grande satisfaction, c'est qu'ils, ça l'année-là, ils mettent l'emphase, la lutte, puisqu'ils amènent contre la pauvreté.
Rama Van Leyden félicite également le ministre des Finances pour rendre plus accessible l'éducation tertiaire à Maurice, une politique du gouvernement qui, dit-il, cadre avec l'empowerment des jeunes. Le leader du MR affiche aussi sa satisfaction concernant le logement, le judiciaire et le projet Tianli, qui générera, ajoute-t-il, 40 000 emplois. Il a salué l'investissement massif dans la création d'une ville moderne à Highlands. Le leader du MR a d'autre part critiqué Paul Béranger pour ce qu'il appelle un manque de propositions pour pallier les problèmes sociaux tels l'endettement et le sale by levy. Nous pécose l'investissement de 100 milliards dans Highlands. Nous pécose le projet de Tianli. Nous pécose le projet de Land Ocean Base. Nous pécose 5 projets de PPP. Béranger qui peut refaire quoi? Peut refaire quoi à ben investisseur qui l'élection demain? Que ce gouvernement est la division. En si faisant, les pérodes retardent l'investissement dans le pays. Quitte aux propositions dans la lutte contre la fraude et la corruption. Quitte aux propositions pour le meilleur emploi. Quitte aux propositions Béranger pour qui le pays gagne un boom plus. Pas oublier qu'il sous Béranger, la croissance économique, si tourne autour de 2%. Pas oublier que ça à l'époque-là, un pétrole, c'est seulement 40 dollars baril. Pas oublier que ça à l'époque-là, parce qu'il gagne chikungunya. Pas oublier que ça hypocrite parce qu'on a une crise alimentaire. Lui, ce problème, là, il y a un coup de là. Si la farine est trempée, ça qui est problème. Autre problème, grossi problème, désavoué. Les mesures annoncées dans le budget, souligne Rama Van Leyden, n'est que le début du processus enclenché par le gouvernement il y a 3 ans. L'implémentation des projets et l'application de ces mesures, affirme-t-il, vise à soulager la population.